Bonjour les petits moulitrons, il y a des jeux de cette époque dont on a l'impression d'être le seul à se souvenir. Dans mon cas, c'était par exemple Radzone sur Amstrad CPC ou Knightdown sur Atari ST. J'arrive pas à le faire tourner sur mon émulateur, donc dans cette vidéo, je vous présente le jeu à travers sa version Amiga qui est très très proche de ce que j'ai connu. Dans cette vidéo, vous allez voir tout le premier niveau du jeu et je vais parler très très peu parce que je pense et j'espère qu'il n'y a pas besoin de donner d'explications malgré l'originalité du jeu. N'hésitez pas à donner votre impression sur le jeu dans les commentaires. Alors, de mémoire, graphiquement, la version ST était absolument identique à ça. Peut-être au nombre de lignes affichées près. J'en sais rien. Par contre, niveau son, ça avait rien à voir. Dans cette version Amiga, les bruitages sont beaucoup plus réalistes, et agressifs que dans la version ST. Ça colle à l'ambiance du jeu, hein. Très Indus, on va dire. Et la musique qu'on entend au lancement du jeu, alors c'est le même air que dans la version ST, mais dans la version ST, comme il s'agit d'un Soundchip 8 bits totalement classique, ça lui donne à cette musique un aspect encore plus geek, encore plus nerdy. Ce qui n'est pas peu dire, vu l'image avec le bonhomme là qu'on voit au début. Bon, de toute façon, vous voyez bien que ça c'est un jeu d'une autre ère, hein. C'est sorti sur ST et Amiga, peut-être entre autres bécanes. Mais c'est surtout un gameplay assez 8 bits, assez époque où les graphismes, par exemple, étaient plus symboliques qu'autre chose, en exagérant à peine.
Alors là, je viens de franchir la porte laser numéro 2. Au tout début du niveau, j'étais passé pas loin et les deux plots, là, ils étaient reliés par un laser qui empêchait de passer. Ou plutôt, si vous essayez de passer, vous êtes mort. Et donc, dans ce jeu, il y a deux types de portes. Il y a celle-ci, celle que je viens de passer là, qui s'ouvre avec des clés numérotées de 1 à 8. Il n'y en a que 7 dans ce premier niveau. Et puis, il y a les portes laser qui se désactivent en appuyant sur des boutons. Faut pas confondre, mettons, la clé 1 avec le bouton 1. Là, la porte laser que j'ai franchie il y a une minute, c'était la porte laser 2. Et là, regardez comment je vais perdre une vie alors que j'allais arriver à la sortie du niveau. C'est cool, hein? Vous avez peut-être une impression de saccade. Alors, en dehors du fait que, comme d'habitude sur Amiga, je ne capture la vidéo qu'à 30 images par seconde, il y a surtout les mouvements de mon tank qui sont saccadés. Ça vient pas du jeu, ça vient de moi, parce que j'ai tout le temps peur de voir apparaître une mine en rouge, donc je me déplace par petits pas. Voilà. Et là, si l'affichage vidéo a coupé, c'est parce que je veux pas dévoiler des images du deuxième niveau dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir d'autres vidéos ou vous testez le jeu chez vous comme vous voulez. En tout cas, si à partir de maintenant vous voyez d'autres images plutôt qu'un écran noir jusqu'à la fin de la vidéo, ces images viennent sûrement d'un ou de plusieurs autres jeux Amiga dont j'ai fait quelques captures vidéo aujourd'hui même. Ce qui peut vouloir dire que j'en parlerai bientôt sur ma chaîne. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le jeu Night Dawn? Eh bien, à peu près rien. Je me souviens pas si j'avais fini ce jeu à l'époque. Je me souviens donc pas combien il y a de niveaux, ni si le gameplay change petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Si, je peux vous dire une chose à propos du deuxième niveau que j'ai refait ce soir aussi, c'est que le gameplay est vraiment identique à celui du premier niveau. Ce que j'attends de votre part, c'est que vous fassiez une petite analyse, même succincte, des images que vous avez vues dans cette vidéo, ou bien d'autres informations que vous pourriez avoir sur ce jeu d'une manière ou d'une autre, et que dans les commentaires, vous dressiez points positifs, points négatifs, etc. Bien entendu, c'est un jeu qui n'est pas entièrement une réussite, sinon il y aurait plus de monde qui se souvient de lui, mais on va supposer non plus que c'est pas non plus une croûte dans laquelle tout est mal fait. Sinon, c'est même pas intéressant d'en parler, il me semble. Si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez découvert un jeu dont vous ignoriez l'existence ou si le jeu vous semble intéressant, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.